Un homme de mon âge peut s'imaginer qu'il est encore jeune, jusqu'au moment où il se rend compte avec stupeur qu'il a une fille assez grande pour être amoureuse. Alors là, je lui tombe sur la tête comme une poutre. Salut. Je crois qu'il attrape des mouches et qu'il les mange. Faut pas donner de la nourriture à ce pauvre homme. Le coup de genou, c'est... Je comprends pas, ça le bloque jamais. Attends, elle avait pas la tête derrière le crâne, là. Enfin, derrière le... Ah si. Oh bordel! Enfin! Et toi? T'as ton compte comme ton frère? Ou t'en veux encore? On est dans la merde! Ne tirez Bonjour, pas! Madame. Je suis docteur, je fais pas partie du gang. On déconne. Je sais, je suis là pour vous libérer. Je sais, vous êtes Lucy Takeri. Oh, cet appareil est encore en panne, saloperie. Et vous êtes ? V, votre frère m'a demandé de vous sortir de là. Bertie ? D'accord, je vous demande juste un instant. Écoutez, on n'a pas le temps pour ça. Oh là là, toute leur tech est bonne pour la casse. Faut se tirer d'ici tout de suite. Tiens, puisque vous êtes toujours là, vous pouvez le scanner. C'est une blague. Bon sang, vous avez des implants, non? Scannez-le. Sa pression chute, sa température aussi. Ah, il s'enfonce. Faut que j'essaie de stopper l'hémorragie. Vous, donnez-lui une dose de sang synthétique. Allez, il est sur la table, tout à gauche. Ça fait assez de risques pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes dans ma clinique. C'était mon patient. Et moi, je fais mon boulot, qui est de vous sortir de là. Voilà, très c'est bien. Plus rapide comme ça. Je vous suis. J'espère juste que ça en vaut la peine. Mais oui. Deux qui referment, ma corde pour gauche, 2, 30 mètres. Droite, 6. Milon, deux qui referment. Donc gauche, 4, 80 mètres. Droite 4 sur ciel, reste intérieur, 50 mètres. Sur arrivée, droite 2 et OK. Un score de 7 minutes, 49,6. Je suis passé sous les 7,50. Merveilleux! Oh bordel! Bon, voilà, GG. Essayez de pas foutre le feu. Non, c'est pas loin en fait. Voilà. Pourquoi je suis tombé? Il est resté 2 PV. Non! Oh, mais je suis trop débile. Ah oui, j'avais sauvegardé juste devant la boutique de fringues. Fashion Addict. Tu vois rien du tout. Bonjour monsieur. Joli mini-shirt. Oh, attendez. Il y a une licorne. Oh oui. Need for Steed. Putain, mais elle est dégueulasse, sa boutique. Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Y'a que tu pourrais passer un coup de balai? Non, bah, ma foi, on peut lui remettre sa veste de base. La chemise à carreaux. Ah ouais, tiens. Ah voilà, ça fait Nirvana style. Kurt Cobain. Si tu nous regardes. Faire comme ça, ça ira plus vite. Allez, je valide. N'oubliez pas que des prix récompensent les meilleurs scores. Bonne chance. Vous avez rejoint le top 10. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Retentez votre chance. Des prix premium s'attendent ceux qui rentrent dans le top 5. Il faut faire combien pour entrer dans le top 5? Top 5, 1780. J'ai envie de pleurer. Non! Non! 1284. Il ne me manquait plus que 500 points. Oh là. Voilà. Oh oui, je suis dans le top 5. Merveilleux. On peut jouer libéré maintenant. Bon, ben voilà. Bon, bah ben, top 5. Ouais, je suis content. J'ai passé 3 jours à y arriver. Mais on est en top 5. Nope. Cop Arcade. On dirait que quelqu'un a décidé de se donner à fond dans Rat Race, 5e. C'est pas mal du tout. Maintenant, ce n'est plus qu'un jeu. Mais aussi un moyen de gagner de l'argent. Ouais, ouais. 300 crédits. 300 euros dollars, quoi dire, on va peut-être pas se battre pour aller pour le top 1, hein. Oh, 3000 euros dollars, parfait. Bon, c'est quoi le deal, Madame Sidorova, ça fait un moment qu'on se connaît, ouais, ouais, vous nous en faites, que me veut le commissaire de police de NC, de Night City? Je ne vous écris pas en ma qualité de commissaire de police. Il s'agit d'une affaire privée. Bien, et donc, ça concerne les clochards sur le terrain du nid. Vous savez de quel terrain je parle? Celui que ce sale suceur de Scope a acheté? Il est promoteur, mais oui, il s'agit de lui. Pour faire simple, ces types doivent disparaître. Vous pourriez arranger ça? On ne peut pas rendre ça officiel en passant par les canaux du NCPD. Bon, je croyais que c'était personnel. Bien, vous pourriez arranger ça pour moi? Je vous paierai bien. Ok, on s'occupe de ces types, mais il va falloir arrêter les patrouilles le temps qu'on est sur place. Ça nous évitera de devoir tuer aussi vos gars. Je m'en occupe. Voilà. Les dérives du capitalisme, de l'économie libérale. Voilà, vous voyez? Parfaitement, pas de pitié, allez en prison! Voyou, anarchiste! Un sac d'herbe en échange? De la drogue. Il est vieux, mais les herbes qu'il contient sont fraîches. Une odeur piquante émane de ce petit sac, tu m'étonnes. Oh mais c'est une arène! Au secours! Mais va mourir quoi! Non mais les monstres ils arrivent en boucle! Tu crois avoir battu le petit boss et d'un seul coup ils t'en mettent 3 de plus? Putain. La chance est pour moitié dans ce que l'on fait, James.
Et c'est quoi l'autre moitié? Le destin. Ah, merde. Et d'un peu mieux, c'était la mort. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. My name is Gontran. Il est peut-être en psychose. Je peux pas le saisir. Oh. C'est l'invasion. Bon, il y a peut-être un truc à faire avec lui, mais pas maintenant, quoi. Combat? Comment ça, combat? À mon avis, il a bugué, hein. Il est censé m'attaquer, non? Fuck. On va essayer de le buter, quand même. Mais je l'avais pris pour un Terminator. Il a combien de PV? Ça va prendre la vie. Ah. On peut y aller au bord de l'eau là? Qui parmi vous craint encore la mort? N'est pas encore prêt à affronter le néant.